Abonne-toi et mets un like ou cette araignée apparaîtra dans ton lit ce soir, alors ne prends pas de risque. Hey, quoi de neuf les gars, c'est Zartek, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir Elsa qui a trompé Michou avec Inoxtag. Alors regardez bien cette vidéo en intégralité pour ne pas louper le clip et bien sûr ne pas rater le sujet principal de cette vidéo. Donc vraiment regardez bien la vidéo tout en entière, en plus je sais qu'elle va vous plaire. Et on va directement commencer avec le premier clip. Dans celui-ci, nous allons voir Elsa qui va apprendre à faire un pas de danse à Inoxtag. Vous allez voir, c'est super mignon et franchement, vous allez bien rigoler. Apprends-moi un pas de danse. Vas-y, attends, je me lève. Attends, je l'ai appris. Yes, c'est ça. À toi. Dirais juste ça. Mais je suis une merde encore, les gars! Comme ça! Ouais! T'avances, tu reviens. Je joue Elsa. Regarde. C'est ça? C'est ça. Et là? Dans le prochain clip, nous allons voir Michou qui était parti à Dubaï et il y a un jour où il a tout simplement regardé Koh-Lanta mais sans Elsa et il a dit qu'elle lui manquait. Alors vraiment regardez bien ce clip parce que franchement Michou a été fort et il a dit tous ses sentiments devant la caméra. Alors franchement on va le soutenir en regardant le clip jusqu'à la fin. Eh les gars, y'a Koh-Lanta, même à Dubaï ça regarde Koh-Lanta frérot. Là à Dubaï là il est minuit 20, ça veut dire qu'en France il est 21h20. Donc Koh-Lanta va commencer, a même peut-être commencé. Donc là je vais aller sur mon tel, my TF1, Banks. On va regarder Koh-Lanta mon grand. Attends c'est important, même à Dubaï on suit. Eh. Mais bon, Koh-Lanta sans Elsa, sans les sushis, c'est pas un vrai Koh-Lanta quoi. Dans le prochain clip, nous allons voir Michou qui revient de vacances et Elsa ne l'a même pas prévenu qu'elle était à Webedia. Il l'a su et il est parti directement la voir. C'était quand même super mignon leur retrouvaille. Maintenant, regardons le clip. Attendez, parce que là, il y a quelqu'un qui est à Webedia et qui déclare pas. Il y a quelqu'un qui vient à Webedia qui me prévient pas, ça va pas du tout. Ah le bâtard! Ah je crois que c'était Thierry! C'est quoi là? C'est que tu préviens pas? T'es à Webedia, tu préviens pas? Dans le prochain clip, nous allons voir Inoxtag qui essaye de s'incruster pendant la répétition de Michou et Elsa pendant Danse avec les stars. Et vous allez voir qu'il essaye de s'approcher de plus en plus de Elsa. Maintenant, nous allons voir la suite avec le clip. Carrément en entraînement! Oh bâtard! Regarde, passe décisive! Elsa, passe décisive. Oh putain. Attends, contrôle. Oh non Elsa, non, là c'est trop là. Le contrôle était mauvais. Michou, contrôle. Oh non, c'est mauvais. Il se passe bien l'entraînement ou pas? Vous êtes chaud? Mec, ce soir vous gagnez. Hein. Je vous le dis moi. Il y a un terrain que vous gagnez. Faut que tu gagnes mec, gagne putain de merde. Maintenant voyons Inoxtag qui a dit devant une émission que Elsa était plutôt belle en haussant les sourcils quand Gotaga lui a dit Elsa, il a tout simplement réagi un peu bizarrement et vous allez voir qu'Inoxtag sous-entend que Elsa est belle. Mais Michou ne l'a pas compris comme ça et vous allez voir il n'a même pas réagi. On va bientôt faire une vidéo Michou avec elle. Tu kiffes en vrai de la danse? En vrai c'est un truc de ouf, ouais je suis trop content. Parce que je me rappelle de toi, t'étais pas donc extrêmement à l'aise avec le rythme et tout la danse. Ouais. Mais là ça t'a fait faire des efforts de fou. Bah ouais, justement j'avais peur du premier entraînement. Parce que déjà vas-y tu rencontres ta partenaire, si ça se trouve tu t'entends mal, on sait jamais. Et je me suis dit imagine j'aime pas la danse et je le vis comme
Vas-y, faut aller faire ça. Mais de base, t'as zéro dansé, genre. Ah, moi j'ai zéro base de danse. Voyait, quoi. Ah, mais t'es quelqu'un d'extraverti de base. J'ai du mal à les reproduire. Ouais, ça, c'est un train, il doit train pour la faire. Ah, ouais, t'es où? Ça se voit. Moi j'ai pas critiqué, frère, je danse zéro. Eh, t'as vu, pendant une heure, je recommence le TikTok, je refais la choré, je suis fatigué à la fin. Et au bout d'un moment, ça passe, je fais vas-y, c'est bon, je l'ai. Maintenant, nous allons voir une story de Michou avec Elsa. Et Elsa a dévoilé ses sentiments à Michou devant la caméra. Et franchement, c'était vraiment très très mignon quand ils étaient à deux comme ça. Regardez bien le clip car il y a plusieurs autres clips plutôt intéressants où même Michou lui-même va lui avouer ses sentiments devant la caméra aussi. Franchement, vous allez pas être déçus. Hey, tu peux faire une dédicace pour Miguel? Tu m'as s'il te plaît. Pour Miguel, fais une dédicace. Mais tu vas jamais me lâcher. Mais s'il te plaît. Mais fais une dédicace à Miguel. Ah mais on passe 5 heures ensemble par jour, ça va, je t'en fais assez des dédicaces, non? Bah non, là j'en veux une dans mon tel. Mais fais-la, s'il te plaît. Pardon. Tu fais quoi? Je te fais une grosse dédicace. Oui. À Miguel. Oui. Je te fais plein de bisous, petit Miguel. Oh, j'ai ma dédicace. Les gars, je profite qu'il y a Elsa Webedia. On range le studio. Arrête, arrête, arrête. Mais je te mets une couronne. Oh, gentille. Mais grave. Oui, mais Elsa, c'est toi la reine. Et allez, frérot, c'est les quarts de finale aujourd'hui. Les quarts de finale, mon grand. Oh là là, j'ai encore un bouquet de fleurs, c'est dingue. Chaque semaine, on m'offre des fleurs, mais il y a quelqu'un qui m'aime en secret. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Elsa, c'est toi les fleurs dans ma loge? Peut-être. Peut-être? Dis la vérité, c'est toi ou quoi? Je saurais jamais. Moi, je pense que c'est elle, les gars. Je pense qu'Elsa m'aime en secret, mais elle assume pas. Je suis ton admiratrice secrète. Les gars, les répètes, c'était 11h là. Hein. C'était 11h. Hein. Il est 11h06. Le retard là, c'est comment? Pff, c'est dingue ça. Toi. Quoi? Tu peux parler toi. Pourquoi? Attends. Je suis pas en retard moi. Flash, t'aimes bien mon flash? Purée. Ok, ça marche. Mmh. Ouais, parfait, on fait comme ça. Bisous. Vas-y, bisous. À bientôt. Maintenant nous allons parler du sujet de cette vidéo et je sais que vous attendez tous ce moment. Donc on va voir du coup si Elsa a vraiment trompé Michou avec InoxTag. Car comme on a pu le voir, Elsa et Michou se sont même embrassés. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos pour tout simplement voir cet extrait quand même plutôt romantique entre Michou et Elsa. Et nous allons voir si vraiment Elsa a trompé Michou avec InoxTag. Car si c'est le cas, InoxTag aurait aussi trompé la sirène. Car en ce moment il est en train d'essayer de la draguer, comme sur son Twitter où on a pu voir une photo qui est sortie juste hier où il a dit que les dates patinoires c'était, on va dire, le meilleur. Et après il a mis t'as capté, donc il a mis une photo avec lui et la sirène dans une genre de patinoire qui était totalement privée. Il a fait ça seulement pour la sirène. Et nous allons maintenant voir une photo qui a été fuitée et on va en parler directement dans cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on peut remarquer qu'il y a une personne à la droite qui ressemble étrangement à InoxTag. Et beaucoup de personnes ont même dit que c'était InoxTag. Donc voilà, on aura du coup plusieurs preuves juste après que je vais vous montrer. Et à gauche, on ne sait pas c'est qui la fille. Alors est-ce que c'est la sirène? Moi je ne pense pas, car tout simplement les cheveux seraient beaucoup plus longs. Car on a pu le voir sur la photo de juste avant, ses cheveux étaient quand même un peu plus longs. Et nous allons tout simplement voir si c'est bel et bien Elsa, en sachant qu'elle ressemble beaucoup plus à Elsa que pas tout simplement à la sirène. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Elsa a vraiment trompé Michou avec InoxTag? Et bah je ne pourrais pas forcément vous répondre. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, en sachant que InoxTag a répondu à cette photo en mettant ce que je vous montre à l'écran sur Twitter. Il a mis tout simplement bah, d'où ils avaient trouvé cette photo, en sachant qu'il l'avait envoyée à personne. Alors est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est réel? Dites-moi tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que le couple entre Michou et Elsa et le couple InoxTag et la sirène sont juste incroyables et que c'est juste du feu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner en activant les notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, il y en a plein d'autres sur ma chaîne YouTube tous les jours, alors n'hésitez pas à rester actif et en cliquant aussi à l'écran pour aller voir une de mes autres vidéos. Allez, salut les gars!